Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce Vlogmas numéro 18. On approche de Noël à grands pas, donc j'espère que vous allez bien. Nous ça va ici, fait un peu froid. D'ailleurs ce matin, tous les matins, j'ai reçu une montre, je vais vous en parler parce qu'elle est vraiment très bien. Tous les matins je regarde et là je vois qu'il fait moins 3 ce matin, parce qu'avant je regardais sur mon baromètre à la maison quoi. Donc maintenant je le vois directement, moins 3 degrés ce matin. Donc j'espère que vous n'avez pas trop froid. Donc cette montre, je voulais vous en parler parce qu'elle fait vraiment des choses sympas, on va dire, pour tous ceux qui aiment contrôler leur activité cardiaque. Moi ce que je regarde bien principalement, c'est mon taux d'oxygène dans le sang, comme j'ai des problèmes pulmonaires. Donc tous les matins maintenant je fais mon petit contrôle médical, on va dire. Je regarde combien de pulsations cardiaques et je regarde mon taux d'oxygène dans le sang, mais je vous montrerai ça plus en détail tout à l'heure. Voilà, donc aujourd'hui on est en week-end, d'où ma tenue ma tenue très cool. Je vais en profiter que Chéri n'est pas là pour faire un bon coup de ménage, parce que le ménage il est laissé un petit peu de côté ces derniers temps. Bon, je pense que c'est pas non plus crado, hein. Je veux dire un coup d'aspirateur laveur, petit coup sur les meubles vite fait, parce que comme tous les meubles sont décorés, donc ça va être en soufflant dessus, hein. Comme ça qu'on fait les poussières. Et puis on va ouvrir tranquillement le calendrier de l'Avent. Mais avant, tea time, coffee time, pardon. Ça fait du bien, ça réchauffe. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour l'ouverture du calendrier et je voulais vous montrer une paire de boucles d'oreilles que j'ai reçues il y a déjà quelques jours, mais je ne vous avais pas montré. Alors, je vais zoomer. C'est une forme, c'est la forme de feuille de lotus, vous savez, c'est la marque de Purelet. Bon, j'aime pas trop parce que je suis sans arrêt en train de la remettre droite parce qu'elle tourne, elle penche, elle tombe, enfin. J'ai beau serrer derrière le petit bidule là, elle tourne, elle est jamais très droite. Mais bon, elle est discrète, elle est jolie, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Bon, allez, on passe au calendrier. Alors aujourd'hui, case 18. les paris sont ouverts pour le 24, la case du 24 pour la bague. On va voir. Alors, case 18. Case 18. Oh, j'ai une toute petite. J'ai peut-être une chance ici. Case 18, je ne regarde pas ce qui est écrit. Ouais, c'est ça, je m'en rappelle, il y avait des petits strass. Waouh, alors attendez, je vais enlever celle-là. Et puis alors, elle est pile poil à la bonne taille, regardez. Elle est ouverte. Ah, la maminouche qui arrive. Elle est super belle. Je suis pas très brillant, mais j'avoue que... Faut dire que depuis le temps que je l'attends, ah, c'est une super journée qui commence. Super journée, elle est belle. Enfin, je savais bien qu'elle allait avoir une bague. Bon, ah, elle est belle. Elle est super jolie. Vraiment super jolie. Ah, et Minouche qui est là. Faut que je vous raconte ce qu'elle nous a fait hier. Mon Dieu. Je vais vous raconter. Je vais vous la montrer. Vous voyez, elle est là. Elle est partie. Juste quand je vous la montre, elle est partie. Ah, bah, je crois qu'elle va aller à la fenêtre de la cuisine. Hier, j'étais donc en train de faire mon montage. Elle est là-bas, à la cuisine. Vous la voyez? Donc, j'étais en train de faire mon montage. Et je la vois qui arrive devant la porte-fenêtre. Et elle pose un truc par terre. Elle avait quelque chose dans sa gueule. Elle pose un truc par terre. C'était une petite bête. Alors,
quoi, je sais pas, une souris, un mulot, j'en sais rien. Elle le pose, elle me regarde et genre, mom, t'as vu, je te ramène quelque chose. Je lui dis, c'est pas vrai. J'ai appelé chérie tout de suite, je lui ai dit, écoute, mets-toi devant la baie vitrée, je vais ouvrir cette fenêtre-là, parce que ça, quand j'ouvre cette fenêtre, elle réplique en courant pour chercher ses croquettes. Et je lui dis, pendant ce temps-là, tu vires la petite bête, quoi. Parce que mademoiselle, elle était sur le flanc et elle jouait avec la petite bête dans sa gueule. J'avais plus un poil de sec. Donc, je vais jusqu'à la fenêtre. Mon plan a marché. Quand j'ai ouvert la fenêtre, elle est rappliquée en courant. Et chérie m'a dit, c'est bon, la petite bête est partie. Au secours, là qu'elle nous ramène des trophées maintenant. Des trophées de chasse. Et puis alors, donc, je lui ai donné quelques croquettes. Et elle est revenue là. Elle a regardé partout. Elle a dit, ben, elle est où ma bête? Et elle la cherchait. C'était trop drôle. Mais après, j'ai rigolé. Hein, parce que sur le coup, je vous avoue que j'ai pas rigolé du tout. Hein. Bon, voilà, la petite anecdote de la minouche. Allez, on continue avec le calendrier bougie. Alors, vous avez vu? Et ça claque quand même, hein? Je ne vais pas arrêter de vous embêter maintenant avec ça. Alors, case numéro 18. Ici. Et là, c'est une grande. Regardez pas mes ongles. Il faut absolument que je refasse mes ongles de Noël. J'attends de manière à faire mes ongles de Noël. Mais là, je crois qu'il va falloir que j'y passe. Je veux pas l'abîmer parce que je veux le garder quand même jusqu'au 24. Bon. Allez. Alors là, on a une bougie blanche. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est écrit dessus. Et c'est gâteau sucré. Hop là. Alors, je l'ai un petit peu pris, mais je sens quand même. C'est très discret. Gâteau sucré, bon ben. Sans grande surprise, ça sent la vanille, ça sent le sucre, la cannelle, je dirais aussi. Enfin, ça sent le gâteau, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le gâteau sucré en note de tête? On a de l'ananas, du citron, de l'abricot et de la pomme. Je sens pas le fruit. Peut-être le citron? Alors, vite fait, hein. Ensuite, en note de cœur, on a de la cannelle, ça j'avais senti, du jasmin, du muguet et du brandy. Brandy, c'est à base de cerise. Hein. Et en note de fond, on a du sucre, de l'ambre, du bois de santal, du bois de cèdre et du musc ou de la mousse de musc. Mais c'est très, très discret. C'est très léger. On va la faire brûler ensemble. Oui, alors je voulais revenir donc sur la montre que je vous parlais tout à l'heure. Alors c'est une montre que j'ai reçue, c'est une montre, la marque, c'est Parsons. Donc je vais vous montrer ce que je fais tous les matins maintenant. Vous voyez, ici on a un petit cœur, donc hop, je clique dessus et il me dit mon rythme cardiaque. Donc on va attendre, il est en train de chercher. De rythme cardiaque et après je regarde mon taux d'oxygène dans le sang. Là c'est en pourcentage, en général j'ai 97, 98, vous voyez dans ces eaux là, là il va afficher. Quand il veut. Voilà, 99 même. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant. Ah non, 97, 98, voilà. J'ai plus souvent 97. Donc, c'est vraiment... Enfin, moi, j'aime beaucoup cette montre. Et comme je vous disais, ici, le matin, je regarde. Vous voyez, il y a la température extérieure, moins 3. Elle est vraiment très bien. De toute façon, je vous ai filmé quelques images que je vais vous mettre à la suite. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. Ah, je vais me la péter, moi, je vous le dis, hein. Donc je reviens vers vous pour vous parler d'une montre connectée que j'ai reçue de la part de la marque Parsons Vert.
smartwatch, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, par Sonnevert. C'est une montre connectée que j'ai mis à mon poignet, vous voyez. Alors, cette montre m'a été envoyée pour que je vous en fasse la démonstration. Donc, je l'ai depuis hier. Elle est vraiment très pratique. Quand elle est livrée avec un petit manuel en français. C'est quand même bien pratique, en plusieurs langues, mais en français également. Elle est livrée avec un chargeur. C'est la première chose qu'on vous demande quand vous allumez la montre, c'est de la mettre en charge pendant 2 heures. Ensuite, à l'écran, on vous met un QR code qu'il faut scanner avec votre téléphone, comme ça votre montre est connectée à votre téléphone. Je vais vous l'enlever pour que vous la voyez mieux. Voilà la montre que j'ai reçue. Donc elle est livrée déjà avec ce bracelet en simili cuir, je pense pas que ce soit du cuir, hein. Et vous avez également un deuxième bracelet dans la boîte. Pour moi, c'est sensiblement la même chose. Bon, déjà, c'est la même couleur. Sauf qu'il n'y a pas les surpiqûres qu'il y a sur ce bracelet-là. Vous voyez, toutes les piqûres. Bon, celle-ci, j'ai l'impression qu'il n'y a pas. On va l'ouvrir pour vérifier. Mais j'ai l'impression que celui-ci, le bracelet est lisse. Bon, après, c'est bien aussi d'avoir deux bracelets. Ouais, celle-ci, elle est carrément en caoutchouc, plastique. Voilà. Voyez, vous avez une belle attache en doré. Celle-ci fait moins quali quand même que celle-ci. Toujours avec une attache dorée. Donc, une fois que vous l'avez chargée, ce que vous avez, on vous demande les renseignements habituels, savoir si vous êtes une femme, déjà à la base, votre date de naissance. On vous demande également votre taille, votre poids, et je pense que après ça vous aide pour faire vos activités sportives ou physiques, peu importe. Moi, bien évidemment, je ne peux pas faire d'activité, mais je peux au moins faire de la marche. Et donc, pour l'allumer, donc moi je l'ai à mon bras, et le fait de soulever mon bras, la montre s'allume, hein. Là, vous voyez, elle s'est mise à l'heure. Et sinon, vous appuyez donc sur le bouton qui est ici, comme une montre, vous savez, avec le remontoir qu'on connaît bien. Vous appuyez dessus, vous descendez et vous avez, vous voyez, toutes les fonctionnalités de la montre. Donc, ce que je vais faire, je vais la poser et ce sera plus pratique pour vous montrer les fonctionnalités. On voit peut-être mieux là. Oui, là, vous avez les activités en jaune. Donc, la marche, la course, la randonnée, le vélo, le basketball, la natation, le badminton, le football, l'elliptique. Oh là, j'ai été trop vite. Le yoga, le tennis de table, le saut à la corde, le tennis, le baseball, le rugby, le hula hop, le golf. Donc, vous avez de quoi vous maintenir en santé, hein, avec tout ça. Moi, je ne ferai pas tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je pourrais vous montrer? Allez. Voilà, j'ai la minuterie, soit je peux mettre sur 1 minute, 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. Enfin, elle est vraiment complète, hein. Vous voyez, elle fait plein de choses. Là, je pense que c'est les messages que je vous disais tout à l'heure. Là, ouais, c'est si vous venez à poser votre montre quelque part, au moins vous pouvez la retrouver avec votre téléphone qui se met à sonner pour vous dire où elle est. Donc voilà cette montre. Alors, ce que moi je trouve sympa, c'est au niveau du prix. Alors, je vais dézoomer. Voilà, je vais vous reprendre de face.
Alors, vous voyez la montre, là, je l'ai remise à mon poignet. Moi, j'ai un tout petit poignet, hein, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'arrive même pas à... Je fais plus que mon doigt, enfin, plus que mon tour de doigt. Elle est pas trop grosse, donc pour un poignet féminin, je trouve qu'elle est bien. Ça fait pas trop cadran volumineux sur un bras, sur un poignet. Donc, cette montre, moi, je l'aime particulièrement. Parce que pour faire un cadeau, on est toujours en train de se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir, que ce soit à un ado, que ce soit à Tata Lucette, à la belle-sœur. Et elle est vraiment à un prix très très raisonnable parce que bon, les prix fluctuent bien évidemment d'un jour sur l'autre, mais elle est aux environs de 46 euros. Et vous avez même un code promo que je vous afficherai sur l'écran de moins 40%. Donc c'est vraiment pour les cadeaux quand on ne sait pas quoi offrir à quelqu'un qu'on apprécie. Je trouve qu'une montre connectée, c'est vraiment un beau cadeau. Donc bien évidemment, je vous montre la montre femme, mais il y a bien... C'est encore une notification. Mais il y a bien évidemment des montres pour hommes. Hein. Il n'y a pas que cette montre-ci. Vous avez plein de montres sur le site. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller jeter un œil. Et puis, bah, ça peut vous donner des idées pour un cadeau. En plus, la livraison est hyper rapide. Donc, vous pourrez la commander et la recevoir avant Noël pour pouvoir faire un cadeau. Voilà, bon bah... J'espère que cette petite démonstration vous a plu. C'est pas toujours évident de montrer parce que, bien évidemment, c'est assez compliqué de montrer une fois qu'elle est à son bras et puis de vous montrer toutes ses fonctionnalités. Mais moi, je l'ai et sincèrement, je l'aime beaucoup. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. Alors, on se retrouve en fin d'après-midi, il est 18h, donc cet après-midi, on n'a pas fait grand-chose, on a juste regardé la petite finale, oui c'est ça, la petite finale, donc Croatie contre Maroc. Bon, bah, c'est les Croates qui ont gagné. Donc là, je m'apprête à faire des petites patates sautées que je vais faire revenir. L'autre jour, j'ai fait des cuisses de canard quand les petits-enfants étaient là, qu'ils étaient malades. Et du coup, j'ai gardé tout le gras du confit. Et donc, je vais revenir mes petites pommes de terre dans le gras, là. Pas du gras, comment on dit? Dans la sauce? Dans la graisse, voilà ça. Dans la graisse de canard. Et donc, la soupe d'hier qui reste. Moi, je vais plutôt me régaler avec la soupe. Je mangerai un peu de pommes de terre quand même, mais c'est surtout la soupe moi, qui m'attire. Bon, allez, je vous laisse avec les images. Allez, des petites pommes de terre sautées avec une bonne soupe paysanne. Bon appétit! Alors, je vous retrouve après dîner. Donc, les pommes de terre étaient super bonnes, fondantes. Il n'y a pas, hein,
Ça change tout, le fait de les avoir fait cuire dans la graisse de canard, ça change tout. C'était vraiment très très bon, on s'est régalé. Ça et la soupe, moi j'en ai jusque là. Donc là, je vais prendre ma petite tisane du soir. Donc ce soir, je vais prendre la tisane de Noël, il ne m'en reste plus beaucoup. Ouais, il m'en reste 8, ça va. J'ai de quoi finir le mois de décembre. Donc cette petite tisane là, ça va me faire digérer, j'espère, parce que là j'ai vraiment trop mangé, je pense. Un petit after eight mojito, histoire de finir sur une note sucrée, parce que je ne prends plus de dessert. Donc c'est mon petit dessert de la soirée. Et puis bon, bah, je vais faire mon petit montage, je vais terminer ma petite vidéo tranquille avec ma jolie bague. Donc je vous reprends, je sais pas ce qui s'est passé, la caméra s'est éteinte, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton. Donc je vous montrerai donc ma jolie bague de près. Mais je crois qu'il est en train de faire le focus sur le sapin en fait. Vous voyez les trois brillants, c'est magnifique, vraiment magnifique. Voilà, bon bah c'est sur cette vidéo tisane que je vais vous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous, on se retrouve demain pour la suite de ce Vlogmas. Bye bye!